Alors, nous allons voir dans ce tuto l'utilisation du canon et des pots de canon. On va le faire en même temps, puisqu'on peut sélectionner le canon interne et puis les pots de canon que vous avez rajoutés dans la même mission. Donc, j'appuie sur la touche étoile, ça vous connaissez maintenant bien. F8, équipe au sol, réarmé. Et donc, le canon, il y est déjà. Hein. Le canon, voilà, c'est pas la peine d'essayer de le trouver, il est déjà. Hein. On va chercher les pots de canon. Donc, on appuie là, on clique droit, pod, Fantasmagoria Mercury, on verra ça plus tard. Donc 5, pod, voilà, pod, nacelle, canon, on y est. 4, pod, nacelle, canon, oui. 3, il n'y en a pas. 2, il n'y en a pas. 1, pod, ah oui, mais ce n'est pas les bons pods, c'est des pods fumigènes et MPS 410, on verra plus tard. Donc pour équilibrer, on va mettre en 7 et en 8. Vous pouvez en mettre que 2, hein, de pods canon, hein, d'accord? Donc, voilà, les pots de canon sont mis en place. Le poids total, tout est OK. J'appuie sur OK. Et on se retrouve en vol pour l'utilisation du canon. À tout de suite. Et nous voilà en vol avec nos pots de canon. Alors, on va vers nos cibles. Souvenez-vous, on est en mode navigation là, donc ça marchera pas. On se met en mode air-sol. On appuie sur. Tout simplement sur la touche C pour se mettre en mode canon. Touche C du clavier. Et donc là, on est 4 quarts du réservoir de munitions en canon. On voit qu'il y a marqué gun. Donc on peut essayer de tirer. Regardez, il suffit de tirer sur la gâchette. Hein, appuyer sur la gâchette. Voilà. Alors ça, c'est le canon interne. Regardez. Voilà, celui-là, il n'y a pas besoin d'installer, il y est en automatique. Hein. Quand vous n'avez plus de carburant, vous n'avez plus de munitions, vous avez au moins ça. Vous avez vu que le chiffre 2 est apparu, il n'y a plus que deux quarts, on n'a plus que la moitié de munitions, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, et il n'y a plus de munitions. Alors maintenant, on va utiliser les pots de canon qu'on a rajoutés. Ces pots de canon qui sont là. Voilà, les canons, il y en a 4. Hein. Voilà, alors comment on les utilise, c'est comme pour les bombes. Même combat, quoi. Vous avez N1, N2, N4, BCE. Voilà. Donc un pod, deux pods. Alors un pod, c'est celui sur lequel on était. C'est le pod interne. Donc celui-là, il est d'office sélectionné. Mais si on veut utiliser deux pods, donc on appuie sur CTRL gauche et la barre d'espace, vous vous souvenez? Voilà, et vous avez vu que là, ça s'est enclenché. Et vous allez voir que vous allez tirer. Voilà, et les deux nacelles. Voilà, ok. Et la petite réglette, elle s'est mise du côté gauche, donc du côté des guns. De l'autre côté, c'est les. Vous vous souvenez? 0.1, 0.2, 0.3, c'est les intervalles des bombes. Donc il s'est mis de l'autre côté, vous avez vu que ça s'est affiché en vert. Il s'est mis sur Phi, N, K, C, là, d'accord? Et puis, vous pouvez utiliser les 4 canons aussi, les 4 pots de canon. Vous vous souvenez, on se met sur N4, c'était à la gauche, espace. Voilà, on est sur N4. Et voilà. On tire avec les 4 pots de canon. Voilà. Bon, c'est assez efficace. Et puis, on peut se mettre en BCE aussi. Alors si on se met en BC, vous allez voir qu'on va se mettre en 0 sur le côté gauche. Voilà, L, c'était le espace, et on s'est mis en 0. Alors ce 0, c'est pour aligner quand on se met en piqué. Voilà, quand on se met en piqué. Donc moi, je ne me mets pas en piqué, donc c'était L gauche et espace. N1, bon, il n'y a plus de munitions, hein, c'est l'interne. 2 nacelles, 2 pods, 4 pods, et ça m'ira très bien comme ça. Et on va vers la cible. J'enlève la pause. On va vers la cible. J'en mets un peu de gaz. On met un cran de volée, vous vous souvenez, les aérofreins. Et comme d'habitude, le plus difficile, ça va être de ne pas se crasher. Voilà, vous voyez qu'on est à 3. 3 quarts des munitions pour le canon. Alors au début, il faut tâtonner un peu, hein, parce que ça tire pas là où on veut, hein.
Après, il y a le laser, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est un autre tuto, on va dire. Donc nous voilà près de nos cibles. Voilà, vous voyez, la double flèche, elle s'est mise entre les deux rectangles là. On a LA qui s'affiche. Donc on peut tirer, mais là, bon, je pense qu'on est un peu loin. On va quand même faire un essai. D'accord? Oula. Oui, c'est un peu loin. Alors on fait des petits à-coups. On essaye d'être bien aligné. Et on va essayer surtout de pas se cracher. Voilà, déjà on est bas, hein. Voilà. Et tranquillement, on remonte. On enlève les aérofreins. Et voilà, il y a quand même un. Il y a quand même un char qui a été, qui va être détruit. Mais bon, ouais, on est sur zéro, vous avez vu, on n'a plus de munitions là. On n'a plus rien. Voilà, on est à zéro. Mais bon vol avec ses pots de canon. Essayez de faire mieux que moi. Allez, à bientôt, au revoir.